Salut tout le monde, c'est Adatelfa, comment ça va? Ça va hyper bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le DLC Obi-Wan Kenobi avec une nouvelle map et un nouveau mode, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup là, donc, malheureusement j'ai pas assez de crédit pour acheter Obi-Wan, je suis à 31 000, il en faut 35 000. Donc ça coûte assez cher quand même, mais j'ai au moins Grievous. Donc c'est bon, après là on est bien évidemment, on est les gentils, du coup il n'y a pas Grievous, mais attends, je vais changer mon arme avant que ça lance. On va reprendre ça là. Donc j'ai lancé une nouvelle map aussi, donc ce qui est quand même un peu mieux. Mais voilà, il n'y aura pas d'Obi-Wan malheureusement. Je pense faire une autre vidéo comme ça quand je l'aurai. Et du coup, en attendant, j'ai vite fait que les autres joueurs rentrent. Je vais vite fait aussi vous parler un peu de Star Wars Battlefront 2. Ce qui pour moi, il aurait pu, je pense, avoir plus de gens. Enfin, comment dire, le jeu aurait tellement pu être 10 fois mieux si il y aurait eu plus de contenu dans le jeu en fait. Parce que je m'explique, au début du jeu, il y avait eu, ils avaient dit que les DLC étaient gratuits. Et moi déjà, j'étais content parce que moi qui viens de Call of Duty, où j'ai joué beaucoup de fois, et à chaque fois il fallait aller acheter les DLC où il y avait 4 maps, et enfin voilà, 4 maps d'un coup, t'avais un nouveau mode, enfin pas vraiment non, mais enfin, t'avais une arme ou voilà, t'avais un truc zombie, mais t'avais 4 maps d'un coup en fait, et c'est ce qui, pour ça tu pouvais jouer aux 4 maps, et voilà, ça, ta durée du jeu durait un peu plus longtemps. Alors que là du coup dans Star Wars Battlefront 2, ce qu'ils ont fait, eux ils ont dit que les DLC allaient être gratuits, mais eux ce qu'ils ont fait, c'est que le contenu, fallait attendre au moins, le jeu est sorti il y a un an, et il y a eu 4-5 maps, vraiment, il y a eu la map du film Han Solo, du coup je me souviens plus du nom, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas joué sur les maps, la femme du la map du film du dernier Star Wars, donc ça fait 2, il y avait une map remasterisée du 1, et je crois qu'il y avait une quatrième map, celle-là du coup, quatrième map, donc nouvelle, et voilà, je crois que c'est tout, 4-5 maps, moi j'en ai peut-être oublié une, mais voilà, il n'y en a pas plus, en un an de jeu, et il n'y a pas de nouvelles armes en plus, c'est ça le pire, c'est que vous voyez, Fusidation on les a depuis le début, pareil pour toutes les classes, il n'y en a pas eu des nouvelles, et c'est ce qui est un peu dommage, et en plus même dans le 1, il y avait quand même des DLC, il fallait les payer, mais t'avais pas ce système où c'était gratuit en fait, après voilà, le contenu était gratuit, c'est déjà bien, et voilà, on va pas cracher dessus, vu que c'est gratuit, c'est déjà bien, mais voilà, moi j'étais un peu déçu. Enfin bref, mais voilà, Star Wars Battlefront 2, ça reste un merveilleux jeu, et même aujourd'hui, quand elle est hyper bonne là, genre j'arrête de parler vu qu'elle est tellement bien la map, mais voilà, comme je vous dis, même maintenant, je vais sur Star Wars Battlefront 2, je m'amuse parce que c'est un très bon jeu, et je sais pas au niveau combien je suis. Non, bon, je vais pas vous dire niveau combien je suis, mais je suis peut-être niveau un tout petit peu plus de 30, donc voilà, j'ai quand même bien joué au jeu et c'est un très bon jeu Star Wars Battlefront 2, même aujourd'hui. Donc let's go, du coup, ça c'est la nouvelle map, voilà. Hop. Bon, par contre c'est ma première game. Il y a un au-dessus. Ah merde. Merde, dommage. Dommage, j'ai fait un petit kill. Et par contre, voilà, la map, je la trouve très belle. Vraiment, il n'y a pas. Donc, je sais pas si c'est un nouveau mode, par contre. Je sais pas si on a eu plusieurs aussi. En tout cas, voilà, comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. Alors, moi, je trouve ça hyper beau. On va quand même essayer de l'objectif. Essayer de la win, surtout la game. Oh. Ok. Ok, ils sont tous là, nice. Bon, on a des alliés qui jouent l'objectif, ça c'est bien. Ok, on avance. Moi je me mets souvent en troisième vue parce qu'en fait vous voyez par exemple si je suis comme ça le mec ne me voit pas et moi du coup je peux faire une petite décale. Je trouve que c'est quand même un avantage. Il est où le mec? Il est mort quoi? Oh c'est le bordel, Oh,
Ok, on avance. On va se mettre en vue FPS du coup. Ok. Ok. Bon, c'est chaud, y a du... c'est quand même le bordel. Hein. Oui, oui, oui. Il faudrait avancer un peu. Hop. Ok, la petite double. Merde. C'est le gros bordel, dis donc, là où on est. Par contre, je me suis fait lever les points. Là, je peux prendre soit Yoda ou... Ouais, non, on va attendre. Combien coûterait 6000, ok. On va attendre 6000 points. Et justement, sur ce Battlefront 2, ça c'était vraiment un point très positif que moi je trouvais, parce que dans Star Wars Battlefront 1, pour avoir les héros, il y avait des emplacements où tu devais trouver des sortes de jetons. Et il y a des mecs qui connaissaient les emplacements des jetons, enfin ils savaient à peu près. Du coup, à chaque fois, bah, les mecs ils attendaient toujours les jetons. Et toi qui pouvais faire une game de folie et. Et un mec qui restait presque toute la game pour attendre le jeton, bah c'est lui qui pouvait l'obtenir alors que toi bah, t'étais en train de jouer l'objectif à mort et on va dire c'est toi qui méritais plus d'avoir le héros. Ce qu'ils ont fait sur Star Wars Battlefront 2, c'est que celui qui joue plus d'objectifs ou celui qui fait plus de points, donc plus de kills, c'est lui qui va avoir le héros. Et ça voilà, c'est un très bon point. Bon, je fais ça, je dis ça comme si le jeu venait de sortir, mais voilà, faut dire les bons points d'un jeu aussi. Bah, comme je vous dis, Star Wars Battlefront 2, ça reste un très bon jeu. Hop, grenade. Ah, il meurt. Est-ce que je l'ai tué? Ouais, je pense que je l'ai tué. Ok, on arrive, c'est bon. Vous voyez, pardon, hop, t'avais le système de points, t'as chadré. Ah, je peux l'acheter? Moi j'avais que Luke, ok, rush, mais je suis sûr que j'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave, Luke c'est très bien. Let's go, let's go. Putain, il reste que 19 tickets. Tiens, enfoiré de Dark Maul. Allez, dégage ta grand-mère. Oui, parce que Dark Maul, je le haïs vraiment. Là, on s'en fout, là faut qu'on ait vraiment joué l'objectif. Esquive, 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 toi tu meurs. Ok. Ok, là c'est la merde, je vois plus rien. Ah, on a perdu, fais chier. Ah, on a perdu, dommage. Dommage, dommage. On a fait du combien? 14-4. Dommage parce qu'en plus j'avais essayé d'avancer, mais bon, après les mecs ils jouaient bien l'objectif. Ils ont bien défendu. Bon, je suis deuxième de la partie. Écoutez, on se retrouve juste après pour la deuxième manche du coup. A tout de suite.